Zombicat. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne reprise. Non, perso, moi, j'ai rien branlé. Mais bon, certains ont peut-être travaillé. En tout cas, je parle pour ceux qui sont encore en cours. Enfin bref, sans plus attendre, voici l'épisode 11 de Metallicat. Allez, c'est parti, fondé en 91, sorti tout droit de la Pologne, aujourd'hui on va parler de Behemoths. Ils font dans le death black metal, alors soit un petit mélange des deux, ou soit tantôt death, tantôt black, ça dépend. Enfin bref, ayant contribué à la découverte et popularisation du metal extrême en Pologne, au début un trio de death metal, dont le nom est originaire de l'hébreu biblique désignant un animal tel que le bétail, souvent illustré sous une forme démoniaque en compagnie du Léviathan. Leur thème et paroles abordent très souvent le satanisme. Allons dans le vif du sujet à présent. Pour commencer, le leader et fondateur du groupe se nomme gentiment Lurgen. Au chant et à la guitare, ils ont enregistré à leur début 4 démos jusqu'en 95 où ils sortent leur premier album. On se retrouve juste après au rap prodobiste Lucifer. Allez, en 96, casse la tienne, ils sortent un deuxième album qui font l'apparition avec quelques nouveautés comme des voix féminines, du synthé, de la guitare acoustique, enfin bref. Puis le groupe commence aussi à faire une tournée en Europe. Deuxième point, les médias spécialisés du métal vont commencer à réellement s'intéresser à Behemoth après la sortie de leur troisième album, ce qui monte considérablement leur notoriété déjà en Pologne, puis aussi en Europe. Et ils vont en profiter pour changer de label en 98, signé avec Avant-Garde Music. Ce qui vont les propulser dans une meilleure posture de tournée. Et ils vont faire quelques dates, notamment en compagnie de Satyricon de Dicey pour commencer déjà, pour la sortie de leur quatrième album, Satanica. Allez, une petite transition avec Decade of Therion. Et nous revoilà, après tout ce remue-ménage, Behemoth nous sort un cinquième album. Puis après un passage en Russie, il commence à bénéficier d'une promo de plus en plus importante, voire même mondiale. Ça y est, Behemoth est dans la place, les gars. Donc voilà, ce qui tombe à pic avec la sortie d'un sixième album. Et c'est vraiment à partir de 2003 que les Behemoth se permettent de faire de nouvelles tournées comme la Norvège, les États-Unis, le Canada, après avoir signé, encore une fois, ils ont rechangé de label Century Media Records, en compagnie de divers groupes comme Amon Amarth, Revenge, Danzing, Opeth, Soulfly, Six Feet Under et bien d'autres. On va d'ailleurs se côté Ace Abuso Below. Face of man.
sortie de Demi Grand, sortie en 2004, fut très bien accueilli par la critique. L'album se glisse à la 15e place du classement polonais. Puis le groupe part aussitôt en tournée européenne aux côtés de Napalm Death, Moonspell et Those Contained. Entre temps, ils nous pondent encore un autre petit bijou, The Hypostasy, sorti en 2007, suivi d'une tournée américaine avec notamment Gojira, Job for a Cry, puis Benead The Massacre, avec en prime une tournée en Europe aux côtés de Cataclysm et Abordale. Pour le coup, un petit extrait ça vous dit, non? Bon, on se retrouve après Conquer All. Après d'autres dates toujours aux côtés de grosses pointures de la scène de metal internationale telles que Suicide Silence, Demi Borgir, ils nous sortent un premier album live cette fois-ci. Nous arrivons aussi en août 2009 à la sortie de Evangelion distribué par Nuclear Blast en Europe et Metal Blood aux États-Unis. Ils participent également au Rockstar Mania Fest pour la première fois avec Slayer, Bullet for My Valentine. At the Remains, Trivium, Marilyn Manson et Cannibal Corpse, ainsi que Job for a Cowboy. Et s'ensuit une petite tournée en Pologne avec Azarath, jusqu'à faire une tournée au Japon, au Nouvelle-Zélande et en Australie, encore une fois une première pour le groupe. Et puisque le jeu envoie la chandelle, voici Alas Love is Upon Me. En 2010, ça aurait bien pu être la fin du groupe. Je vais vous expliquer tout ça. Nous sommes en août 2010, Nergal est amené en urgence à l'hôpital. On lui diagnostique une leucémie. Donc le groupe est alors forcé en fait d'annuler certaines tournées, pas mal de dates d'ailleurs, dont celle du solitaire. Et pour le coup, le groupe vont décider de sortir un DVD live. Un premier, puisque avant ils avaient sorti un album live, donc là pourquoi pas un DVD, histoire de faire patienter les fans, enfin je présume en tout cas. Puis en 2011, Nergal sort enfin de l'hôpital, soit un an après, prévoit même la sortie d'un futur album pour 2012, puis finalement repoussé en 2013, avec même au passage un petit tour aux côtés du Rockstar Mania Fest une seconde fois, aux côtés de Amon Amarth, Rocky, Mastodon, Children of Bodom, entre autres. Mais hélas, encore une maladie fait son apparition, mais cette fois-ci chez le batteur, ayant besoin d'une appendicectomie. Comme quoi, rien à voir avec la leucémie de tout à l'heure. Et c'est finalement en 2014 que sort ce fameux album. Je ne sais pas si vous le connaissez actuellement ou si vous l'avez entendu. C'est The Satanist, sorti il y a tout juste un an, le 5 février 2014, pour être précis en tout cas. Et vous connaissez la suite maintenant, on va parler de leur discographie, mais juste avant, on va faire un petit tour vers leur formation, juste après la messe noire. Voilà, la line-up actuelle, bon, Nergal au chant et à la guitare depuis les débuts, hein, c'est lui le leader et fondateur. À la batterie, nous avons Inferno depuis 97,
Orion à la basse et au chant secondaire depuis 2003, et Bicette à la guitare et chant secondaire aussi depuis 2004. Donc voilà, en ce qui concerne leurs albums, j'ai été obligé de baisser un petit peu. Enfin voilà. En 95, on a Sventesvits, Stroming Near the Baltic. Excusez-moi, j'ai du mal encore à prononcer en anglais, je suis sûr de mon coup. En 96, Boom. En 98, Pandemic Incantation. En 99, Celtinica. En 2000, Telematis. Enfin, je crois que ça se prononce comme ça. En 2002, Suskia Sulcus R&B Beyond. En 2004, 2000 God. En 2007, The Ecbostasy. En 2009, Evangelion. Et en 2014, The Satanist. C'est tout pour aujourd'hui, les mecs. Bon, j'espère qu'on va se revoir très prochainement. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Enfin, quoi plus, ça m'étonnerait. Sur ce, ne vous oubliez pas du tout de vous abonner. C'est important ça. Et puis moi, ça me chauffe le cœur quand je vois les gens qui s'abonnent. Ça m'encourage à continuer davantage, à m'améliorer, etc. Et c'est pas fini, hein. Ok, certes, je bute, je suis pas un professionnel, mais vous inquiétez pas, petit à petit, un oiseau va faire son nid. Mais pour ça, il faut plus de monde, voilà, partagez autour, et puis n'hésitez pas à balancer des commentaires. Sur ce, pour liker ma page Facebook, je vais vous mettre les liens dans la description, etc. Je remercie également Harper Asso de Guichin et Sideburn d'avoir fait tourner l'épisode 2 de Manche Pizza, ça m'a fait plaisir encore une fois. Ça me fait toujours plaisir quand on fait tourner les épisodes. Puis sinon, je vous fais des gros câlins à tous, voilà. On va s'écouter ma préférée, tiens, de ce groupe-là, Blanvio, Trumpet Gabriel. Que les BMO se permettent de faire une première tournée en auberge. En auberge. Alors celle-là, faut la garder en auberge. Norvège. On va la refaire.